Michel Salmon, demeurant à Bollon, 21 rue Neuve, voilà. Et puis, j'ai 62 ans, 1957. Moi, je bricole le bois et tout ça, et cette passion, on peut parler de passion, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Donc, quand j'étais un môme, mon père était bourrelier et matelassier, enfin, entre autres, et donc, on roulait pas sur l'or. Et j'avais mon voisin là, qui avait les derniers pistolets, tout ça, avec les pétards et tout ça. À un coup, je dis ça à papa. Et il dit, papa, à Noël, là, je voudrais bien qu'on me renaît, moi. Avec un pistolet, là. Et puis, il me dit, écoute-moi bien, t'en baiseras jamais. Je n'ai pas de l'argent acheté par les fenêtres. Par contre, il y a les bouts de bois, il y a le banc d'établi, là. Tu fais ce que tu veux. Et donc, je me suis mis à prendre les varlopes, là, les rabots et tout ça. Et puis, j'avais 6-7 ans à l'époque. Ouais. Et puis, j'ai commencé à faire ça tant bien que mal, quoi. Et donc, après, je fais mes petits fusils, tout ça. Enfin, bref, comme c'était à l'époque, quoi. Voilà, c'est comme ça que c'est venu, quoi. C'est devenu ton métier, ça? Ah non, pas du tout. Non, quand j'ai, c'était pareil, quand j'avais un petit peu, je prenais le vélo, et puis, à la sortie de la forêt, il y avait des bardages de sapins et tout ça, enfin bref. Alors, il y avait des grosses croûtes, là, de pain, là. Je prenais mon petit couteau, et puis, je faisais des petits bateaux, enfin, voilà, avec une opinelle, comme ça, puis, voilà. Bon, j'ai pas beaucoup choisi, moi, parce que l'école, c'était pas trop mon truc, quoi. Donc, après la troisième, parce que j'aurais voulu, plutôt être un truc de géomètre, enfin, travailler en extérieur, là, l'arpentage, tout ça, quoi. Mais bon, à l'école des métiers du bâtiment, j'avais qu'une place de charpentier, ça m'intéressait pas. Et donc, j'avais été inscrit à Saint-Étienne à l'époque, là. C'est un BEP de tourneur-fraiseur, quoi. Donc, j'ai fait ça. Et puis, j'étais là, l'heureuse surprise, c'est qu'il y avait de l'ajustage. Moi qui avais, à l'école, j'avais pas du mal avec la moyenne. Et puis là, je me retrouvais avec des 18. Enfin bref, c'était le jour et la nuit, quoi. Voilà, parce que, et c'est pour ça que quand on apprend des choses, même qu'on est en s'amusant, quand on est gosse, en fin de compte, c'est un acquis pour la vie, quoi. Et le bois, c'est resté ta passion, quand même. Le bois, non, je ne sais pas, parce qu'au début, j'ai travaillé le fer, parce que les parents, après, ont déménagé à Mordel, et puis il y avait un voisin, et puis il y avait l'usine Gentil, qui fabrique des remorques, là. Ils ne sont plus là maintenant, mais à l'époque, ils étaient là, et puis il y avait le voisin, qui était contremaître là-dedans, et puis j'allais bricoler avec lui, je faisais du fer forgé, tout ça, voilà. Et le bois, c'est venu bien plus tard. Et je m'étais mis j'avais fait un tour à bois. Et là, il y en a un autre, là. C'est le deuxième, ça, que j'ai fait. Et donc, je me faisais des pieds tournés, des petites choses comme ça, quoi, voilà. Et puis, la musique et le bois, ça se mélange. Et mon père, on jouait à la fanfare à Mordel. Et puis, il y avait Bruno Kathleen, pour ne pas citer, 4 ans de moins que moi, il faisait un serpent de menuisier. Et chaque fois que j'allais le voir, il était tout le temps à raboter et tout ça, enfin bref. Et puis il m'a filé un peu le virus. Et puis c'est comme ça que je l'ai vu travailler, quoi. Hein. Voilà. Et après, j'ai fait des cours du soir là, à Léo-Lagrange, à Rennes. Donc là, c'était un peu aussi. Comment expliquer ça? Parce que
C'est un peu particulier parce que le travail, même si je ne l'avais jamais fait, dans ma tête, je savais le faire. Je sais pas si ça vous arrive à pouvoir comprendre ça, mais parce que ben, comme avec mes mains, moi j'avais plein de combines et tout ça. Et donc il y avait une partie comment ça s'appelait ça, d'initiation au matériel, tout ça. Enfin bref. Et au bout de 2 ou 3 soirs, parce que c'était des cours du soir, il fallait concrétiser quelque chose. Et donc le prof, l'éducateur, il me dit qu'est-ce que tu veux faire toi, Michel? Ben, je dis, les gens font un petit banc, j'en vois pas l'intérêt, un pot à fleurs, encore moins. Ben, oui, mais il dit, il faut bien commencer par quelque chose. Ah ben, je vais faire une huche, une mais, comme disaient les anciens dans le temps. Mais il dit, ça va pas, il me dit, tu te rends pas compte, il me dit, là là, c'est pas de mince affaire, il faut faire un plan. Ah ben, à l'époque, j'étais dessinateur industriel. Je dis, dans 8 jours, je reviens avec mon plan. Alors, quand il m'a vu débarquer, 8 jours après, ben, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, tu y vas, quoi. Hein. Et puis, bon, c'est sûr que je n'aurais pas arrivé tout seul. Et puis, c'est avec Bruno, que j'avais cité prédécemment, enfin, bref, avant, quoi. Hein, donc, ben, il fallait faire des coupes d'onglets, tout ça. Bref, fallait quand même, voilà. Et donc, ça m'a bien aidé. Puis, j'ai réussi à faire ça, quoi. Et puis, c'est vrai que Bruno était content aussi parce que on avait la passion de la musique. Puis après, moi, je l'ai emmené vers d'autres musiques. On était en Louisiane, tout ça avec. Et donc, je dis, bah, je vais faire un confiturier. Donc, on a fait un confiturier. Mais alors, j'ai appris avec lui. Par contre, là, on était dans l'ébénisterie. C'est-à-dire, c'est le plaquage. C'est-à-dire qu'on fait des comment? Des frisages, hein, il y a passé des frisages en fougère, en pointe de diamant, enfin bref, tout ça, c'est particulier quoi. Et puis du collage et tout ça. Et j'avais récupéré du bois dans le grenier à mon grand-père, en chêne. Alors, puis c'est du chêne de talus parce qu'il y a plein de petits nœuds, tout ça. Enfin bon, faut apprendre à lire le bois. Mais, enfin bref, et donc j'étais parti à faire ça. Et entre-temps, j'avais rencontré. Ah, c'était Oh, je me rappelle plus le nom du patelin, là. C'est l'autre côté de Montauban, là. Et il y avait une animation le jour-là. Et il y avait des artisans, entre autres. Je me rappelle, c'est Gérard Coussineau, Bécherel, ça y est, ça me revient. Et puis, c'était Mais un ébéniste, quoi. Il rénovait. Quand j'avais été le voir, là, il rénovait des meubles laqués, ça fait Louis XV, tout ça, là, japonisant, tout ça. Donc, et puis, bah, il causait avec des gens. Et puis, il avait fait justement un petit confiturier en or, mais il était brut, quoi. Hein, il n'y avait pas de vernis ni rien dessus. J'étais en admiration devant, comme un gosse devant ses jouets à Noël. Donc, il m'a regardé. Et puis, il est venu vers moi. Et il dit, qu'est-ce qu'il a, mon confit? Ah, je lui dis, il est super, il est super. Du coup, ben, il dit, viens, on était dans la cuisine, il m'a payé une bière, il y avait 1 heure de temps, alors qu'il y avait des clients dans sa boutique. Mais bon, voilà, parce que, comme il dit, lui, il voyait des gens, s'il veut, ben, il venait là pour lécher la vitrine, en façon de parler, quoi. Mais de quelqu'un qui est passionné, ben, voilà. Donc, alors je suis sorti de là-dedans, j'avais la tête gonflée à bloc. Je suis arrivé, j'ai pris les crayons, puis je me suis mis à dessiner, quoi, un confiturier, tout ça, voilà. Et puis après, bah, je l'ai exécuté, comme je disais avec Bruno, là. Voilà. Et puis, bah, voilà. Après, Bruno est parti au régiment, c'est l'époque, il y avait encore un régiment. Je me suis lancé à faire une commode pour ma sœur. Et cette commode-là, j'avais vu ça sur l'objet d'art, parce que c'est des livres, enfin, de salle de vente, quoi, avec tous les. Voilà, et puis j'avais trouvé un petit modèle, mais c'était un style d'Avignon, du temps du roi René, tout ça. Ça me plaisait. Donc c'est une façade en double arbalète. Alors, c'est. Bon, faut voir parce que ça on peut pas expliquer ça enfin, autrement que visuellement. Je me suis lancé là-dedans. Alors, j'avais trouvé. Du bois, tout ça, dans le grenier au grand-père, tout ça. Et puis, c'était rigolo. Il y avait des gens qui venaient me voir. Il y avait les anciens. Et puis, voilà. Et donc, du coup,
J'ai eu du mal, mais bon, je suis arrivé. Et puis, comment? Jusqu'à un jour, alors je tourne la page un petit peu là, et mon père avait acheté la comment, au 21 rue Neuble, là, hein, et les gens qui étaient avant, ils étaient tailleurs de vêtements, bien sûr, et ces gens-là avaient une auto, et entre autres, bah, le garage, enfin l'atelier qui me sert aujourd'hui, ça a été construit avec les planches de la gare, et ils mettaient leur voiture là-dedans. Et je vous dis ça, c'est dans les années 90. Voilà, j'étais en train de travailler la commode là. Et puis voilà un couple qui arrive là. Et puis il y a une dame qui s'avance et dit, j'ai compris que c'était comment. Elle était née bah, au 21 rue Neuve aussi, mais c'est de ses parents qui habitaient avant mes parents. Et puis elle habitait aux États-Unis. Et son mari était prof d'université, la Philadelphie, je crois, enfin, de mémoire. Et puis il était en train de regarder ce que j'étais en train de faire. C'était pas fini, mais l'autre, avec ses dollars, il voulait acheter ce que je faisais. Enfin là, c'est pour l'anecdote, quoi. Les objets que je fais, oui, je les invente. Voilà. Ben, on n'invente rien, parce que. Alors, comment expliquer ça? Bah, il y a des objets là. Avec Pauline, on a fait une boîte celtique. Ça, c'est né sur un lit d'hôpital. Elle avait eu comment? Elle s'était fait opérer et bref. Donc, elle me dit, Michel, on va faire, faut qu'on fait une boîte. Bon, c'est parce que je l'avais initiée à la marqueterie. Eh bien, alors d'accord. Alors du coup, le soir en rentrant, j'ai pris mes crayons et dans la soirée, ben, j'ai dessiné la boîte. Voilà. Et puis le lendemain, je suis retourné comment la voir et ben, j'ai dit, ça te plaît, Pauline? Ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis moi, bon, c'est particulier, qu'elle m'a dit. Parce que voilà. Donc tout ce que je fais, c'est un peu barbare tout ça, mais tout est au nombre d'or. Alors ça, c'est la divine proportion. Enfin bref. Ça fait partir des règles de Fibonacci. Alors, c'est des contemporains à Léonard de Vinci. Et puis, Léonard, c'est un observateur. Donc, par exemple, vous prenez la patte d'un cheval, chaque membre a un accroissement de phi, du nombre d'or. Ce nombre-là, c'est 1,62, pour parler 1,62, l'accroissement qui est entre chaque membre. Et ben, on le retrouve partout dans la nature. Hein. Bon, ben donc. Ça sert à plein de choses. Les pyramides ont été construites avec ça, entre autres voilà, toutes ces proportions. Donc voilà, c'est parce que tout ce qui est joli, c'est pas du hasard, quoi. Hein. C'est que ben il y a voilà, il y a une appartenance avec ces valeurs-là. La première commode. La fameuse commode que je vous disais là, que la mère Lovren m'a acheté. J'étais dessinateur, pendant 6 mois j'ai fait des dessins. C'était bien, mais je disais c'est pas ça. Mais je savais pas l'expliquer. Et puis un jour, je dessine, ça y est, je le tiens. Ben, il a fallu que, à 50 ans, parce que j'ai. À Noël, j'achetais des livres de la collection Vial. Alors ça, c'est des d'initiés quoi, mais c'est des superbes docs et puis un document. Et puis à un moment de temps, il y avait le nombre d'or. Ah ben là, pour moi, c'était révélateur parce qu'en fin de compte, il y avait toutes ces questions-là que je me posais, et puis ben, je tâtonnais quoi. Et puis là, en fin de compte, ben, c'était comme ça fait deux quoi. C'était une évidence. Et donc après, bah, j'ai mesuré la fameuse commode. Et en fin de compte, bah, j'étais à la racine de phi, 1,27. Alors ça peut paraître un peu barjot, mais bon, c'est-à-dire entre par exemple, je veux dire, la largeur du meuble par rapport à sa hauteur, et ben bah, on a ce rapport-là. Voilà. Tout ce qui
est dans la mode, tout calculé. Vous trouvez ça dans la publicité. Les Champs-Élysées sont bâtis sur le nombre d'or. Mais voilà, donc suffit de... Faut ouvrir le troisième œil, comme on dit. Et puis, vous découvrez plein de choses. Mais ça existe partout dans la nature. Hein. Bref, il y a dans les feuilles des arbres, les spirales, les escargots, tout ça. Il y a une progression mathématique, ou je ne sais pas les mots pour expliquer ça, mais bon, voilà. Ouais. Passionné, ça vous ouvre la porte des gens. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait mon escalier. Alors ça c'est une lubie ça aussi. Et puis donc j'avais fait une maquette au cinquième et j'avais acheté un livre et puis voilà, donc j'avais fait toute la maquette hein, avec tout, bref. Et puis j'ai un copain qui vient là et puis il me dit oh ben c'est bien ça Michel. Mais j'ai dit, va donc voir Alfred, qui me dit, parce qu'il travaille au Big Mat à Montfort. Et puis un coup, je suis allé voir le petit père Alfred, là. Donc, je lui dis ça, tiens, ben, bonjour, je dis, je viens de la paire de Jean-Claude. Ah, oh, ben d'accord, ben non, il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis, je voudrais faire un escalier. Je lui dis, j'ai déjà fait un premier jus, là, une maquette, là. Ah, ben, qui me regarde, dit, ouais, c'est bien, mais j'aurais pas fait ça comme ça, moi, qui me dit. Ah, ben, je dis... Je lui dis, c'est vous qui savez, hein, parce que moi, je découvre, moi, je, voilà. Et puis, il faut que je vais voir. Et donc, il était venu là. Donc, il y avait rien, il n'y avait que les murs et puis la trémie, quoi. Et il s'est mis en mode... on pouvait y causer, il ne répondait pas. Hein. Et puis, au bout de 5 minutes, il a émergé. Ça y est, il me dit, l'escalier est fait. Et quand on a fait le fameux escalier là, alors là c'est fabuleux, on n'a pas sorti le maître une seule fois. Allez comprendre ça, parce que tout est pensé, maîtrisé en amont. C'est une autre, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour concevoir, un temps pour préparer et un temps pour réaliser. Mais c'est ces gens-là, ils maîtrisent tellement leur savoir et leur métier que on a l'impression que même les choses les plus compliquées, ça, c'est une évidence, voilà. J'ai eu beaucoup de chance de côtoyer ça. J'ai vu faire des marqueteries il y a pour un an de boulot, hein. Pas un an comptant, mais ça représente 200 à 300 heures de boulot, quoi. C'est vrai que vous voyez ça, pour le commun des gens, on peut pas comprendre ça, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est... voilà. Et ça aussi, la marqueterie, c'est... ça s'improvise pas, hein, parce qu'il faut tout et penser, maîtriser, avant de commencer à travailler. J'ai fait un stage chez Xavier Lièvre, c'est dans les années 95-96, à Versailles. Voilà, j'avais pris des congés, puis du coup, voilà, et c'est vraiment là où j'ai travaillé, quoi. Mais là, c'est pareil. Je me répète, mais avec Bruno Catlin, mon collègue là, qui joue de l'accordéon, là, puis qui m'avait montré au début. Donc lui, il a fait plein de métiers, hein, c'est-à-dire que, bien sûr, menuisier, il a fait CAP de sculpteur, ébéniste, et j'en passe. Et donc, en fin de compte, moi, je bossais ses cours. Donc, sans aller à l'école, j'ai appris, quoi. Hein, parce que, il me refilait ses cours. Et puis le fait de causer, ça suffisait pour m'éclaircir les zones d'ombre quand j'arrivais pas à faire, quoi. Ouais. Bien, c'est un bien grand mot. Non, je maîtrise pas tout parce que ça, c'est un métier. Hein, faut beaucoup d'humilité.
on peut faire des portraits, on peut... Bah là, bon, j'avais fait la tête de son chien. Enfin bon, bah là, j'en ai une que je vais attaquer, là. C'est un chanteur écossais dans les Highlands. Bon, un petit aparté, c'est que s'il y a des gens qui sont intéressés par le marqueterie, à Laillet, il y a l'ACL, là, il y a un atelier marqueterie, et quand il y a des portes ouvertes, bah, vous pouvez aller voir. Hein, comme ça, c'est bien, bien expliqué. Et à la fin du mois, là, il y a le samedi du mois. Thank you.